te salue, Marie. C'est quoi toute cette quincaillerie? Ah, ça, ça vient de la boutique de mon père. Je travaille avec lui maintenant. En gros, soit je reprends la boutique, soit il me marie de force, comme toi. Donc, bon, on parle pas. Ça se passe comment avec Joseph? Ben justement, ça se passe pas. La pauvre. Attends, je t'ai amené un truc. Ta-da-da. Lève-toi et marche. Tu crois? C'est pas un peu... Non mais t'es pas sérieuse là? Mais ça coûte une blinde à Persepolis, ça! Tout le monde se l'arrache à la Fashion Week, moi je te le dis. Hein. Mais tu verras, de toute façon, tu pourras plus t'en passer. Il fait froid sur ta colline. Dis donc, tu te serais pas un peu empâtée, toi? C'est pas vrai. Non, me dis pas que... Mais comment qu'il a fait? Enfin, Joseph, tout le monde sait qu'il est stérile comme un vieux bouc. C'est qui le père alors, Marie? Allez, accouche! C'est Rabbi Shmuel. Mais non! Mais si! Shmuel! Le nouveau rabbin là! Le colon là! Oh, ah, j'ai voulu essayer moi, mais il a rien voulu savoir. En même temps, tu les essayes tous, toi! Non mais t'es sérieux, c'est lui! Oh, oh là 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 là! Qu'est-ce que tu vas dire à Joseph? Et à ton père? Shalom les filles! Shalom! Vous n'allez pas à la crucifixion aujourd'hui? C'est qui qu'on crucifie? Ah, une des nôtres, une Rachel. Elle a fauté avec un centurion. Non mais aussi, les Romains, ils sont là à se balader avec leur mini-jupe en cuir, à nous narguer, et bah je suis désolée, on n'est pas de bois. On y va? Ça te changerait les idées. Hein. Je peux pas. Faut que je vois... Tu vois qui je parle? Ouais. T'inquiète pas, je comprends. On y va ensemble? Je connais... un petit raccourci. C'est tiède. C'est bon, c'est moi. Je peux te retourner. T'as pas dit le mot de passe? T'entends pas que c'est moi? Non mais attends, on se fait gauler, on se fait lapider ou crucifier. T'es au courant quand même? J'espère qu'ils vont pas nous entendre. T'inquiète, c'est de l'hébreu. Ils y perdent leur latin. Ah oui, la crucifixion, c'est par où? Je suis nouveau dans le coin. Vous prenez la première colline à gauche, et quand vous entendez les coups de marteau, bah c'est là. Allez, shalom. Shalom, femme. J'ai la solution. Tu vois ce qui est écrit là? Bah non, je sais pas lire. Vous voulez pas que les filles étudient alors... Pas faux. En plus, vous refusez qu'on conduise les chars, et on n'est même pas payé pareil pour les mêmes jobs. Non mais y'a pire. Quand on reçoit la paye, c'est vous qui embauchez. Mais c'est la loi. Enfin, c'est Dieu qui l'a dit, Marie. D'ailleurs, c'est là, dans la Torah, que j'ai trouvé la solution à notre petit souci. Petit, ça a pas tardé à devenir un gros, gros, gros souci. Écoute, on va dire que c'est un miracle. Mais enfin, personne ne croira. Eh oh, on est en l'an zéro, on n'est pas en l'an 2000. On peut dire tout et n'importe quoi, profitons-en, ça va peut-être pas durer. Tiens là, ils disent qu'il a plu des grenouilles. Et ici, qu'il y a eu des nuages de sauterelles. Et ici, Moïse, il fait traverser la mer à pied sec en l'ouvrant en deux. Bien sûr qu'ils vont nous croire ou que je suis pas rabbin. J'espère que ça suffira. Hein. Bien sûr que ça suffira. Mais qui
peux bien venir nous voir à une heure si tardive? Bah, j'espère que c'est pas le fisc, hein. Maintenant, je suis auto-entrepreneur. Désolé, c'est mes ailes. J'y suis un peu allergique. Je peux? Ah bah ouais, mais là, vous tombez mal, on vient de finir de manger. Parce qu'avec ces Romains qui nous piquent tout en impôts et puis un Ponce Pilate qui s'en lave les mains... Vous dérangez pas, je suis en mission. Je suis Gabriel. L'ange Gabriel. Je suis un ange annonciateur, donc j'annonce. Alors voilà, Marie est enceinte. De qui? Ben de Dieu. Mais non. Mais si. Mon âme m'exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Puisqu'il a jeté ses yeux sur son humble servante. Marie. Car désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Bénie soit son âme. C'est rien, vous bilez pas, c'est l'émotion, ça fait ça à chaque annonce. Bon, écoute, Joseph, tu devras t'occuper de l'enfant et l'élever comme un père. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Hein. Et moi, j'ai un atelier, j'ai 3 chèvres, j'ai une femme sur le dos, et je bosse tout seul. Justement, Joseph, j'y viens. Avec le divin enfant, tu ne seras plus seul à l'atelier. Je peux en faire un charpentier? Tout à fait. Ah bah ça, ça change tout, alors. Eh ben, Bill. Bah, Marie, tu vois avec l'ange? Moi, j'ai encore des croix à faire. Il va y avoir un tas de crucifixions ce week-end. Hein. Ils crucifient des enfants maintenant, les Romains? Ça, ah non, non, non. Ça, c'est pour un nain. Joseph. Pardon, un homme de petite taille. Bon, j'y vais. Oh, Fils de Dieu, enfant divin, nous avons suivi l'étoile afin de t'adorer. Où est l'enfant que nous déposions, l'encens, la myrrhe? Vous êtes juste 9 mois trop tôt là. Quoi? Je te l'avais dit, t'as toujours peur d'être en retard. Bah, c'est toujours de ta faute aussi, pour te lever, t'as toujours des problèmes pour te lever le matin. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On rentre? En Perse? Pas question, hein. Moi je suis vanné. Ah oui, 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 non. Bon. On pourrait peut-être se louer un petit Airbnb. Mais tu as vu l'heure? Yeah. Bon. Et qu'est-ce que je vais faire de cette myrrhe, moi? Et moi, c'est ton sang. Oh ben moi, par contre, je me fumerais bien un petit joint. Bah, demande à Gaspard, il doit forcément lui rester une boulette. J'ai les babouches en feu, moi, j'en peux plus. Ah, mais c'est toi. Allez, ben, j'ai peur. Bah de quoi? Je sais pas, des conséquences à long terme. Penses-tu? Demain, tout le monde a oublié.